fraîche. Je pense qu'il y a moyen à se faire plaisir. Il va faire chaud par contre, il va faire chaud. Faut bien boire. Là, je viens chercher encore plus d'expérience. Ça fait deux fois que je fais le 32. J'aime bien le cadre, c'est une ambiance très sympathique. Faut y aller mollo. Après, je sais pas, c'est ma première fois que je fais 58, donc jusque là, je faisais le 32. Bah, ça fait au moins 6 ans ou 7 ans que je viens ici. D'accord. Non, mais une merveille, une merveille. Un parcours que j'apprécie énormément. Courage. Courage. Ah, l'énergie, j'en ai plein, moi. Je pense qu'il ne faut pas stresser. C'est justement l'avantage du trail. On évite la pression du chrono, donc c'est ça qui est bien. Parce que quand tu vois des gens qui partent avec une chaleur pareille, qui se lèvent tôt, qui font des sacrifices depuis de longtemps pour pouvoir prendre du plaisir dans ce cadre formidable, et on les voit partir avec harnachés, avec des bouteilles, avec des sacs à dos, avec des pipettes, mais ça paraît presque lunaire si tu veux, et moi je suis admiratif, mais quand ils vont être dans le sous-bois là-bas, qu'il va y avoir de la boue, parce qu'il y en a encore, je l'ai vu hier, mais ils vont être livrés face à eux-mêmes, face à leurs problèmes et face à la nature, et ça va être terrible. Oui, 58 km, bon ok, mais 2400 mètres de dénivelé, ça me parle. C'est fou, mais c'est l'engagement, la générosité, c'est beau. Voilà, moi je suis heureux quand je vois ça, c'est merveilleux. Est-ce qu'il tient ses promesses ce 58? Ah, il est raide. Il est raide? Il n'y a pas de plat. Il fait chaud à souhait. Chaud. Pas déçu. C'est bien chaud. Ouais. Non, parce que d'habitude il y avait des lianes pour passer là. Mais c'est bon. D'année en année, on innove. Hein. J'étais en train de regarder le dénivelé. J'étais en train de me dire qu'on est bientôt à la moitié du parcours et on a fait un tiers du dénivelé. Donc, je me pose des questions pour la suite. Perso, c'est le bonheur d'aller au bout. Je profite à fond de pouvoir faire un effort, d'être en bonne santé et de partager ça avec tous ces gens, quoi. Même si on se connaît pas. Mais c'est vrai que là, il y a un esprit particulier. T'as un gars qui va pas être bien, t'as un autre qui s'arrête, et que ça soit de l'élite au dernier, quoi. On regarde tout ce qu'il y a autour. Là, on voit un petit coin bien sympathique, et voilà, on s'arrête, on profite, les gens marchent, ils regardent. Il n'y a pas de notion de chrono, quoi, par rapport à l'allure et tout ça. C'est dépassé ici. Heureux. Alors merci à tout le public, merci à tous les bénévoles parce que sur le parcours ils ont été vraiment géniaux. C'est un immense bonheur, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Le parcours, il est grandiose. Alors je vais vous dire, la semaine dernière, j'ai fait 5 heures de route pour venir le reconnaître. Et donc jeudi, j'ai fait 26 bornes, les 26 derniers en courant. Et le vendredi, j'ai pris mon VTT et j'ai fait les 30 premiers. Et aujourd'hui, j'ai regardé les 30 premiers à l'allure où je fais et j'ai fait une heure plus vite qu'en VTT la semaine dernière. Donc ça veut dire que le parcours, première partie, était très très dur, mais très très joli. Avec plein de montées, plein de descentes. On s'ennuie jamais sur ce parcours-là. Et c'est vraiment magnifique.